Ça fait partie de mon mode de vie. Quand je sors à l'extérieur, je prends des photos d'architecture, puis je ressens le besoin de les déconstruire. J'ai beaucoup d'inspiration des surréalistes, mais tout le décor, c'est l'inspiration de la Renaissance. Sauf que je me suis approprié quand même le style. L'art, ça s'exprime partout, surtout partout où on peut le dessiner. J'ai été apprenti tatoueur, puis eux, ils ont vraiment tout changé, ils m'ont perfectionné. Ici, c'est le rhinocéros transpercé carré. C'est une toile que j'ai peint en 2010, quand j'avais 17 ans. L'idée en général d'une œuvre, l'assemblage, tout ce qui forme les lieux, chaque idée impose au lieu, puis crée une forme d'histoire, de métaphysique.